Bonjour, voici une présentation du petit album dont vous allez retrouver le tuto la semaine prochaine en ligne. Donc c'est un album en 15-15, donc un format étoile revisité. C'est le modèle garçon et je vous prépare un modèle fille avec une structure un petit peu différente. Donc j'ai utilisé les papiers Craft O'Clock en 15-15 sur les baby. Donc j'ai rajouté des dentelles, un peu de gel pailleté sur les éléments. Donc en fait, il se déplie comme ceci. Vous voyez, tous les embellissements sont dorés avec un petit peu de gel pailleté. Vous avez dans les papiers ces petites étiquettes à découper également. Donc je l'ai prévu comme ceci, mais en fait il se déplie complètement, complètement, complètement. Et du coup, à l'arrière, eh bien, vous avez également toutes les pages. Donc, il y a 24 pages dans l'album. Donc, vous avez toutes ces petites étiquettes aussi dans le bloc de papier en 15-15. Vous avez 24 pages à motifs et du coup, ça nous fait 24 pages aussi pour mettre les photos. Là, c'est un petit échantillon que je vous ai envoyé lors de vos commandes. Donc, je l'ai arrangé et rajouté des petites fleurs. Ici, vous avez un petit passant. Enfin, bref, de toute façon, vous retrouverez la vidéo. Donc, là, c'est pareil sur ce sens-là. Voilà, à l'arrière, vous avez toutes les pages qui se déploient aussi. Et si vous voulez le mettre façon étoile, debout, eh bien, c'est possible. Vous n'avez plus qu'à nouer le ruban ici à l'arrière. Donc voilà ce petit album. Comme ça, vous pouvez présenter les photos sur un buffet ou autre. Mais en fait, il est pratique parce que fait de cette façon, les pages s'ouvrent complètement et vous pouvez mettre une vingtaine de photos. Donc c'est déjà bien sympa. Donc vous retrouverez le tuto en deux parties, donc lundi prochain. Lundi prochain, la première partie et vendredi prochain, la deuxième partie. En ce moment, dans les commandes, si vous voulez ce petit cadeau de chez ITD, donc ce sont des petites feuilles de riz avec la collection Myosotis, donc pour décorer des œufs de Pâques en polystyrène ou des vrais œufs, vous humidifiez un petit peu avec un pinceau et de l'eau le tour du motif pour pouvoir le déchirer délicatement et vous le collez avec de la colle pour serviettage ou une colle à papier. Vous le collez sur votre œuf, soit en polystyrène, soit un œuf dur pour vos petites décos de Pâques à table. Donc vous notez dans votre commande le mot œuf, OEUF, en majuscule. Les lettres, il faut vraiment respecter la casse. Donc c'est en majuscule le mot œuf au singulier. Et je vous glisserai dans votre commande une petite page comme ça de feuilles de riz. Voilà pour la petite info du jour. Eh bien, je vous retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!